Bienvenue sur Africa 24. Je vous invite à un voyage au cœur d'un péage. Véritable lieu de passage pour des millions de voyageurs, le péage d'EDEA, situé à une soixantaine de kilomètres de Douala, est aussi un pôle économique, avec des voyageurs qui s'approvisionnent en achetant mille et une marchandises. Je vous invite à partager la vie de ceux qui font vivre ce péage. Suivez-moi. Marchande de bitacola. Oui. Qu'est-ce que c'est bitacola? Le bitacola, c'est au mal d'estomac, à la bonne digestion et oui. Au mal de ventre. C'est tout. Alors, depuis quand vous vendez ces noix? Ça fait 4 ans aujourd'hui que je vends ici au péage. Et pourquoi le péage? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Ce qui nous a servi ici, c'est parce que mes parents n'ont pas de moyens. Et vous ramenez combien sur un panier de bitacola comme ça? Parfois vous vendez ça à combien peut-être? Il y a 100 francs et 500. Parfois je ramène 10 000 à la maison, parfois j'amène 200 seulement. Oui. Alors aujourd'hui, comme il pleut, vous avez vendu pour combien? J'ai déjà vendu 500. Ah, c'est bien. Donc 5 paquets comme ça? Oui. Ou les grands? Les petits, ça, oui. 5. C'est un paquet. C'est un bon business le péage? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde? Non, pas parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a d'autres gens qui bénéficient ici en route. Oui. Et il y a d'autres gens qui aident d'autres gens. Donc il y a d'autres gens qui nous aident quand ils nous voient ici sous le soleil et sous la pluie. Oui. Je vous invite à voir d'autres vendeurs, d'accord? Oui. Dans le péage. Vous me suivez? Oui. Suivez-nous. Toujours ici en direct du péage d'EDEA, je vais m'essayer à des nourritures beaucoup plus terrestres en compagnie de mon ami, monsieur Flashki Bouboul. Flashki Bouboul. Alors Flashki Bouboul, qu'est-ce que vous mangez? Mintumba. Mintumba, donc accompagné c'est du bongo chobi. Bongo chobi, mintumba. Oui. Mintumba, c'est du manioc. Du manioc. Fermenté, et non pas pourri. Vous allez dire pourri. Et c'est bon? C'est bon. Et vous accompagnez ça avec quoi? Le matango. Et le matango, c'est le? Le vin de palme. Et ça coûte combien le litre? 125. Bah, je peux goûter? Tout à fait. Merci, je prends ce morceau. Voilà. Et je vais goûter devant vous. C'est dur? Non, très dur. C'est normal que ce soit dur comme ça? C'est normal que ce soit dur. Vous venez ici tous les jours? Tous les jours. Et s'il n'y avait pas le péage, est-ce que vous viendriez ici? C'est une activité, non, le c'est péage? C'est une activité, c'est plus rationnel avec la vie et la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes se mélangent avec les plus vieux? Oui. Et ça, c'est un lieu de rendez-vous? Oui, pour boire du vin chaque fois, tous les jours. Ben, on va vous remercier alors et je vais prendre un litre de matango. Et je continue ma route sur le péage. EDEA, suivez-moi. Je m'appelle Bonjour madame, bonjour. Je suis vendeur du péage, je vends les noix de coco, je m'appelle Akondimo Guillaume Stéphane. Alors, depuis quand vendez-vous des noix de coco? Je vends une noix de coco depuis 1996. Un tas de noix de coco, c'est combien à peu le près? Le tas, c'est 4 noix à 500, oui. Celles qui ne sont pas assez mûres. Oui. Les plus mûres, on vend 3 à 500, parce que c'est possible qu'on les casse, on enlève la peau. Mm-hmm. Et quand en enlevant la peau, ça a encore plus de valeur et oui. Ça coûte cher. Ah bah c'est bien, donc alors il y a une plus-value quand on enlève la peau. Oui, parce que premièrement pour enlever la peau, ça prend du temps. Oui. Donc après avoir enlevé la peau, on donne la valeur. Alors vous avez vu la création, vous avez connu la création de ce péage, ça date de quand? Oui, le péage date depuis 92, la construction, l'inauguration en 95 et ça et c'est opérationnel depuis 94. Alors ici, qui trouve-t-on comme commerçant? On voit, il y a plein de produits. Est-ce que vous pouvez nous citer tout ce qu'on trouve ici?
Au péage, il y a les noix de coco que vous voyez premièrement. Oui. Le mintumba. Alors mintumba, ça c'est... Ça c'est du manioc écrasé, oui, mélangé à l'huile rouge, ajouté du sel. Et dans une feuille de bananier aussi, hein, je pense, oui, avoir ça. Oui, oui. Ça a l'air... Et on attache, on met au feu, ça cuit. Oui. Ça, c'est très joli, agréable. Vous voyez du bois là. Aussi, on ça vend du bois, oui, aussi, on achète du bois aussi au péage. Oui. Le pitacola, les noix de coco cassées, comme vous voyez. Oui. Ah, oui. Des chips de banane plantain. Des chips de plantain, oui. Oui. Bien mûr, oui. De l'huile de palme plus devant. Donc les gens laissent beaucoup d'argent ici. Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu par jour? Je sais que vous n'êtes pas, peut-être pas spécialiste, de qui peut s'échanger comme argent ici. Ah oui, celui qui vend moins en journée gagne 2000. Celui qui vend moins en journée. Et le plus, allez, soyons fous. Le plus, oui, comme moi, je vends les noix de coco. Oui. Si j'étais à part la maladie, là maintenant, ça, on n'en trouverait même plus. Oui. Je vends par jour en moyenne 25 000. 25 000. Oui. Donc, ça veut dire que le péage, c'est un bon business. Mais bien sûr, c'est pour le dire. Alors, l'idée, c'est quoi? On court derrière un véhicule, on le voit arriver, il y a des cris particuliers. Qui peut m'expliquer un petit peu? Oui, ces cris, c'est pour... C'est pour faire entendre le nom de sa marchandise. Alors, donc, ça donne quoi par exemple? Qui crie comment ici? Qui veut crier? Toi, tu cries quoi? Comme par exemple. Et toi? Sala. J'ai mon panier de pitacola. Oui. Bon, il y a les clients dans le bus. Celui qui est à côté voit ce que je vends. Mais celui qui est presque au milieu là ne voit pas. Je suis obligé de dire pitacola. Je suis obligé de crier fort. Pitacola, pitacola. Bon, on va faire un test ici, d'accord? Oui. Vous voulez bien faire un test? Qui va crier? Vous, madame? Noix cassées. Je dis noix cassées. Noix cassées. On me demande combien? Je dis 200 et 250. Est-ce que je peux discuter le prix? Non, oui. Le prix n'est pas discutable. Ah, c'est fixe? Oui. Si je dis 150? Non, ça ne peut pas aller. Puisque je n'ai pas les noix de 150. C'est le prix, ça c'est la monoprix. Comme on ne change pas de prix si le je prix est fixe. Fixe. On ne négocie pas. Pas de négociation. 200, 150, 500 le prix ici. Eh bien. Oui. Et vous criez quoi là? Noix cassées. Moi je vends les noix cassées ou bien les non cassées. Le tas à 500. Qui d'autre qui a... Toi tu cries quoi? Le mintumba. Et combien le mintumba? 100 francs le mintumba. Oui. Alors et tu en vends beaucoup? Ah. Combien par jour? Je peux vendre 10 000, 15 000 par jour. On se retrouve dans quelques instants, je vais courir aller vendre du mintumba. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'on dit alors? Mintumba! 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 Mintumba, faut tenir! Ouais. Allez, on tire, on y va, on court. Ouais. Mintumba! 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 Pour moi, c'est pas possible. Ce sont des véritables marathoniens. Ils abattent des kilomètres. Je sais pas combien. Tu fais combien d'allers-retours comme ça tous les jours? Ça dépend. Je peux faire au moins 1500 tours par jour. 1500 tours par jour. Mieux qu'Usain Bolt. Hein? Vous êtes champion du monde en fait. Non. C'est vrai, on vient chercher de l'argent. C'est ça, il y a l'air pas de quoi. Et le fait 1500 tours, c'est parce que tu n'as pas le choix de vendre ça? Ouais. C'est vrai, il y a le choix, parce que c'est pas seulement de ça qu'on vit, mais ça apporte quand même beaucoup dans ce qu'on fait. Et pour finir, qu'est-ce que vous apporte ce péage? Qu'est-ce que vous... Le péage nous apporte beaucoup, parce que il y a les parents payent de l'école ici. Il y a les nous-mêmes, je suis élève. Oui. Bon, ça m'aide, comme je suis venu en congé, je ne suis pas d'ici. Je suis venu chercher l'argent des bains. Oui. Et de... Donc là, c'est pour la scolarité, ouais, aussi, et vous aidez vos parents à faire ça. Ouais. C'est ça? Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24.tv. Merci à tous ces commerçants qui ont une très très belle énergie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Africa 24 et je continue de vendre mes mintumba. Suivez-nous, on y va, on court.